Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Dacruz et Samantha. En effet, à l'instant, le blogueur Varuekos a annoncé que les deux ex d'Anthony Martial se seraient retrouvés en fin de soirée pour se battre après l'énorme course-poursuite sur l'autoroute. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre les circonstances de cette fameuse histoire. Et finalement, hier dans la soirée, Mélanie et Samantha se sont vus et se seraient battus. D'ailleurs, sur leur story, les deux femmes ont affirmé que l'histoire est désormais réglée. On aperçoit d'ailleurs Mélanie avec plusieurs marques sur le visage. Quant à Samantha, elle, aucune blessure n'est pour l'instant déclarée. À la suite, c'est le blogueur Varuekos qui a bien confirmé les rumeurs en annonçant qu'aucune vidéo de La Bagarre avait quant à elle été filmée. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ça fait cassos. Je suis choqué. Carrément, ma bouche, elle est en B, quoi. Faire ça? À cet âge-là? Même? Pardon. Je suis exténué. Je vous jure, hein, je vous ai posté les stories il y a 20 minutes, je suis encore dessus. Je regardais les stories, je me disais, mais what the fuck? What the hell? Ça va pas ou quoi? Vous êtes ravagés, arrêtez-les. Snapchat de Samantha. La voiture rouge, la petite grise et le gros Peugeot, lol, me parle pas de tête, tu sais pas te battre. Tu as de la gueule, tu sais que crier et taper sur ton torse, ton terrain, c'est pas la bagarre, reste sur les réseaux. C'est là-bas que tu pourras faire ton cinéma et impressionner. Des petites de 15 ans, moi, tu ne m'impressionnes pas moi. Du coup, pour le tête, deux personnes, toi et moi, je suis toujours disponible. La championne du jour! Eh ouais, en vrai c'était chaud. Mais si on prend les règles par exemple de l'UFC, Samantha gagne.